Bonjour à tous, disons que vous voulez apprendre à tricoter, alors je suis là pour vous, je vais vous montrer quelques étapes principales de, du tricot. Donc mon premier conseil c'est de ne pas choisir un fil qui est un petit peu bariolé ou un peu rococo comme ça, car ça donne un tricot euh, où on ne voit pas bien les mailles et donc on ne voit pas bien ce qu'on fait. Donc ça, c'est pour les plus avancés, on va dire. Alors sur les laines, vous avez toutes sortes d'informations, dont notamment euh, la composition, le numéro des aiguilles, donc la grosseur des aiguilles que vous devez utiliser. Et puis, il y a parfois une petite indication combien de mailles et combien de rangs vous avez besoin de tricoter pour arriver à un petit carré de 10 sur 10 cm. Donc voilà donc mon conseil est de choisir un fil tout à fait normal de grosseur moyenne on va dire et puis vous pouvez donc euh, le dérouler à peu près euh, à 1 mètre par exemple et vous pouvez donc faire un petit nœud coulissant que je suis sûre vous savez comment faire mais je vous le montre quand même pour donc commencer pour euh, fabriquer une première maille en fait qu'on ne va pas défaire évidemment on va le garder pour donc l'utiliser comme une première maille. On va enfiler nos aiguilles dedans. Et alors vous pouvez monter les mailles sur une aiguille, mais moi j'utilise toujours deux aiguilles, car le résultat ainsi obtenu sera beaucoup plus léger, beaucoup plus confortable, et donc ce sera beaucoup plus facile de tricoter le premier rang après. Donc voilà, vous pouvez serrer donc ce petit nœud. Pas trop il ne faut pas trop, trop forcer et puis ne confondez pas les deux fils surtout il y a le fil qui vient donc de la pelote qui sera tenu comme ceci avec l'index et l'autre fil le restant donc avec le pouce et je les tiens bien en bas tous les deux en, ensemble et alors quand on tire un tout petit peu vers le bas avec les aiguilles, on crée un triangle et on va utiliser ce triangle donc pour rentrer dedans vers le bas, attraper notre fil d'en face et tout retirer et puis serrer avec le pouce. Je vous remontre, ne vous inquiétez pas, au début, ceci a l'air un petit peu compliqué, mais ça ne l'est pas, vous allez voir. Donc on rentre dedans par en dessous, on attrape le fil d'en face, on revient vers le bas et on serre. Voilà. Et on répète cette opération jusqu'à ce qu'on a assez de mailles. On fait donc ainsi tous des nœuds coulissants, en fait une succession de nœuds coulissants. En fait le tricot, ce n'est rien d'autre qu'une qu succession de, de mailles qui euh, s'emboîtent les unes dans les autres. On va un petit peu accélérer. Euh, une fois que vous êtes à l'aise avec ceci, euh, ça va aller beaucoup plus vite. Et donc, euh, vous montez autant de mailles que vous pensez nécessaire. Donc, si vous avez donc cette petite indication de 10 sur 10 cm sur la pelote, c'est plus facile car vous pouvez estimer ainsi euh, le nombre de mailles que vous avez besoin. Alors évidemment, on fait toujours une écharpe pour commencer comme premier travail, premier tricot, car c'est le plus simple. Et quand vous en avez assez, vous pouvez retirer une des aiguilles. Et puis vous allez voir que euh, le résultat sera euh, bien léger. Euh, si euh, le petit restant de fil euh, vous dérange, vous pouvez le couper, mais ne le coupez pas trop court. Je vais montrer ça dans, dans une autre vidéo comment on va s'en débarrasser à la fin. Surtout ne le coupez pas trop court mais ne le confondez jamais avec l'autre donc le fil de la pelote. Et voilà, vous êtes prêt à commencer à tricoter votre premier rang. Ce sera dans notre prochaine leçon. Merci d'avoir regardé et à bientôt.